La vaccination des 5 à 11 ans contre le Covid-19 sera au programme du Conseil de défense sanitaire lundi, selon un document du ministère de la Santé consulté par l'AFP et présenté vendredi aux représentants des hôpitaux, cliniques et soignants libéraux. Le ministère y affirme même que le calendrier précis de la vaccination des 5 à 11 ans sera précisé à l'issue du Conseil du 6 décembre, et ajoute que l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de cette classe d'âge est prévue début janvier 2022. Entre-temps, les doses de vaccin pédiatrique Pfizer seront livrées aux pharmacies hospitalières dès le 13 décembre, puis, en ville, à partir de fin décembre, aux professionnels de santé habilités. Des consultations en attente. Une source gouvernementale a toutefois indiqué à l'AFP que la décision reste suspendue à l'avis de plusieurs instances, dont le Comité consultatif national d'éthique, CCNE, qui n'a pas encore répondu à la saisine de l'exécutif sur ce sujet. La Haute Autorité de Santé, HAS, n'a pas non plus donné son feu vert à la vaccination de tous les 5 à 11 ans, qu'elle recommande pour l'instant seulement aux 360. 000 enfants, qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie. À ce jour, seul le vaccin anti-Covid de Pfizer a reçu l'approbation de l'Agence européenne du médicament pour un usage chez les enfants de 5 à 11 ans. Zéro commentaire, zéro partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.